Aujourd'hui, on va utiliser le yoga pour améliorer notre capacité respiratoire. Et pour cela, je suis avec... Linéa, bonjour. Bonjour. Et vous êtes avec Charles. Il a quel âge? 2 mois et demi. Les exercices qu'on va faire aujourd'hui vont nous permettre de redonner de la place à la poitrine. Le premier mouvement s'appelle la fermeture éclair. Vous êtes placé ici, relax. Toujours commencez par l'expiration. Vous commencez par votre périnée. En expirant, soufflez vers d'en bas. Remontez, expirez, 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 expirez par le nez. Voilà, comme une fermeture éclair que vous verrouillez. Vous êtes en haut au niveau de la gorge. Et maintenant, inspirez, laissez le ventre reprendre sa place. La fermeture redescend. Sans vous tasser, sans descendre. Encore une fois, expirez, ça monte. On ferme, on zip, on zip, on zip, on zip. Parfait, voilà. Et inspirez. Parfait. Et relâchez. Ça va? Oui. Et en respirant comme ça, vous, en fait, vous grandissez. On a tendance à se tasser en respirant. Et vous avez été enceinte, le poids du bébé, le poids du ventre vous a un peu tassé vers l'avant. L'idée, c'est de redresser la colonne et de penser à respirer, à donner toute l'amplitude, non seulement aux poumons, mais au ventre, pour que le diaphragme ait de l'espace pour que vous puissiez respirer sans problème. D'accord, oui. D'accord. Exercice suivant, on va faire le rock. L'idée, ce sera de se balancer. On va expirer en allant vers l'arrière, ici, et inspirer en ouvrant la poitrine et en allant vers l'avant. On se laisse tomber en arrière, voilà. Vous utilisez vos jambes pour vous soutenir. Et quand vous inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant, voilà. Expirez. Inspirez. Soufflez, voilà, inspirez, voilà. Ce mouvement permet de détendre le corps. Vous mettez Charles à côté et vous faites vos exercices qui vont vous détendre, qui vont vous permettre de travailler sur votre posture tout en veillant sur lui. Oui. L'exercice suivant, c'est une sorte d'envol. Vous mettez un bras vers l'arrière sur l'inspiration. Et sur l'expiration, rien ne se passe. Inspirez avec l'autre bras, parfait. Vous posez derrière vous et expirez. Et juste cette position va vous permettre d'ouvrir la poitrine et on va respirer dans cette position. Inspirez, laissez le ventre reprendre sa place. Expirez et on revient vers l'avant, un bras. Inspirez, devant soi, expirez rien. Et le deuxième bras, inspirez et expirez. Voilà. Vous vous sentez comment? C'est plus facile de respirer, c'est plus étiré. Dégagé. Dégagé, oui, c'est plus dégagé. Yes, c'est exactement ça, c'est exactement cela le but. On a souvent l'impression que respirer ne concerne que la poitrine, mais vous avez vu, il s'agit aussi du ventre. Ça implique tout le haut du corps. Donc, à faire. Oui. Ça marche? Merci. Bravo.